Bonsoir, Monsieur le Président. Nous avons besoin de ton aide. Les enfants de Comancy, parce que cette année, je ne vais pas encore à l'école. Nous avons besoin de ton aide. Ils ont cassé nos maisons. On dort dehors. On n'a pas d'argent pour payer notre école. Pardon, aidez-nous, s'il vous plaît. Par ma voix, les enfants de Comancy 32 tiennent d'abord à remercier Mme Florence Davis et son ONG, Children of Environment Foundation, pour l'aide qu'elle nous apporte depuis le déguerpissement que nous avons subi ici le 17 novembre 2021. Depuis lors, l'ONG a toujours été avec nous dans nos études et dans nos besoins. Par ma voix, nous interpellons le président de la République pour qu'il puisse nous aider à répondre les coups. Plusieurs élèves, plusieurs étudiants d'ici ne vont pas à l'école. Après le déguerpissement, nous sommes à la maison, nous vagabondons. C'est vraiment touchant. Mes petits frères n'arrivent plus à aller à l'école. Mes frères et sœurs n'arrivent plus à aller à l'école. Les parents qui se débrouillent avec les maisons pour nos scolarités n'ont plus de moyens, se retrouvent dans la rue. Donc nous aussi, nous nous retrouvons dans la rue. Nous interpellons le président et le gouvernement de nous aider à retrouver le chemin de l'école. Merci. Et que nos supplications soient entendues auprès des autorités. Merci à vous.